La cérémonie de citoyenneté est maintenant commencée. The citizenship ceremony is now in session. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Cette cérémonie est présidée par le juge Osman. The citizenship ceremony is presided by Judge Osman. Juge Osman, conformément aux dispositions de la loi sur la citoyenneté, j'ai le privilège de vous présenter 103 candidats à la citoyenneté provenant de 23 pays différents. Judge Osman, in accordance with the provision of the Citizenship Act, it is my privilege to present to you 103 candidates for citizenship from 23 different countries. Juge Osman, je vous cède maintenant la parole. Merci. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonjour. Good afternoon. Je suis très heureux d'être avec vous ce jour tout à fait spécial que vous attendiez depuis longtemps. Vous verrez par la suite que le sang ne passe pas ce point de repère dans aucune vie. Il n'a pas en tout cas fait pour moi. Dans cette nuit, si je prends le chemin de plusieurs étapes dans votre vie, je serai heureux de devenir des citoyens canadiens. Sont aussi heureux vos parents et amis qui sont dans cette salle avec nous tous, mais ailleurs également, parfois très loin d'ici, mais de cœur si présent et proche de chacun d'entre nous. Comme nouveau venu au Canada, chacun d'entre vous a un vécu différent, mais un parcours similaire à celui des autres personnes assises autour de vous. La première étape du parcours a été de décider et d'effectivement quitter les gens qui vous sont chers, l'endroit où vous êtes venus, et donc de quitter une partie de vous-même. Donc, vous ici, c'est un défi que vous avez su relever. La deuxième étape a été de démarrer ici. Pour plusieurs d'entre vous, en partant de rien, en fait, ne connaissant personne. Le défi a été alors de gagner votre vie et de construire votre nouveau chez soi. Soyez-en fiers, ça a été l'occasion pour vous de tester votre capacité à relever les défis, à travailler fort. Soyez rassurés, ça a été l'occasion pour vous de comprendre à quel point c'est encore plus d'armes pour les anciens immigrants. De construire ce pays formidable, ce pays durant l'hiver, avec des moyens moins disponibles. Il me semble donc naturel et raisonnable que nous, Canadiens, combien du respect et de la gratitude pour ceux qui nous ont précédés, membres de nations autochtones ou migrants, quels qu'ils soient. La troisième étape, maintenant que vous devenez citoyen canadien, et je vous des droits dans la citoyenneté, le côté de la médaille est d'accepter les responsabilités qui viennent aussi à à titre de membre de la famille canadienne, il appartient à chacun d'entre nous de faire la différence pour contribuer au bien-être. On dit, as members of the Canadian family, it's up to each one of us to see how to make a difference. It's your job as parents to help your children understand the chance of being Canadians and instilling them the need to make that difference. The sky should be the limit, if not for you, for your children. Your children, each one of you only, can contribute in strengthening Canada, whether you are in art, science, production, or services. Je vous prie
conseille de ne pas avoir peur d'avoir des ambitions professionnelles, quelles qu'elles soient. Poussez vos enfants à en avoir. Poussez vos enfants à croire en eux-mêmes. Poussez vos enfants à dire « The sky is the limit for me ». Rien ne doit vous empêcher, ou empêcher vos enfants, de dire « Je vais devenir dentiste, scientifique ou artiste de renom, d'être un avocat éminent, d'être un promoteur respecté du droit de la personne, d'être un général flamboyant, d'être un député talentueux, d'être un juge, d'être un ministre, d'être le premier ministre, d'être le gouverneur général. Pourquoi pas ? Si vous êtes venu au Canada avec un cœur ouvert, beaucoup de détermination et de volonté, et la conviction que ce pays est un État où la loi prime, je vous dis que vous pouvez, en cas vous ne devez pas vous empêcher de ne pas le devenir. L'exemple qui me vient toujours à l'esprit, et celui de John Diefenbaker, qui a été premier ministre du Canada de 1957 à 1963. Il est connu pour être le champion des droits civiques. Il a perdu 5 élections avant d'être élu comme député en 1940. Par la suite, il a chaque fois été réélu. Il est à l'origine de la Déclaration canadienne des droits en 1960. C'est de lui qui est venue la nomination du premier sénateur d'origine autochtone, qui a choisi la première femme ministre, et qui a lutté pour l'égalité raciale au Commonwealth. Let us also remember that people are here on our community and the poor. Il est écrit que notre répondu à l'heure, chacun peut avoir été forcé de quitter ça. Mais pas de venir au Canada. Nous avons au Canada une qualité de vie que nous pouvons espérer de nos jours. Indeed, we all have great quality of life in the respect back in our native countries. C'est, en fin de compte, une simple question d'honnêteté à avoir vis-à-vis de soi-même, pour commencer. Votre réussite, c'est d'avoir des gens sincères à ce que le Canada est aujourd'hui. Ce sont les outils pour réaliser les différences de votre société. The mere fact that you come from 23 different countries is not a coincidence. It shows how much Canada is a magnet for the whole world. Je pense vous avoir dit en fin de compte que vous êtes seul à décider comment vivre au mieux votre présent. Vous vous rappelez probablement le pincement de cœur et pourquoi pas la peine le jour où vous avez quitté votre primaire. Aujourd'hui, vous devenez citoyen canadien, il y a un autre pincement de cœur, mais avec plein de joie. Quel chemin parcouru, n'est-ce pas? Je vous dis, dans 20 ans, dans 30 ans, vous allez encore vous trouver avec les résultats de ce que vous avez fait. Je vous invite donc aujourd'hui à célébrer avec honneur et humilité les droits et les responsabilités qui vous sont conférés, au même titre que tous ceux qui vous ont fait. C'est peut-être le meilleur des cadeaux que vous puissiez faire à vos enfants. Merci de m'inspirer autant. Merci de m'avoir écouté et bon continuité. Merci beaucoup, Monsieur le juge. Nous allons maintenant procéder à la prestation du serment. We will now proceed to the oath taking. Vous pouvez prêter le serment de deux façons différentes, soit en affirmant solennellement, soit en jurant. Si vous voulez faire une affirmation solennelle de citoyenneté, vous devez commencer votre serment en disant « J'affirme solennellement ». Si vous voulez prendre serment sur un livre saint, vous devez le prendre dans votre main gauche et commencer votre serment en disant « Je jure ». Rappelez-vous que nous devons absolument pouvoir prêter le serment en français, en anglais ou dans les deux langues. The oath of citizenship can be taken in two different ways, either by affirming or swearing the oath. If you wish to affirm, please start the oath by saying « I affirm ». If you wish to swear the oath, please place your holy book in your left hand and start the oath by saying, I swear. Please keep in mind that we must see you repeat the oath of citizenship either in French, English, or both languages. Veuillez maintenant vous lever pour la prestation du serment. Please rise for the oath taking. Les invités peuvent réaffirmer leur citoyenneté s'ils le désirent. Guests are invited to reaffirm their citizenship if they wish to. Veuillez lever votre main droite
et répétez le serment après le juge de la citoyenneté. Please raise your right hand and repeat the oath after the citizenship judge. Je jure que je serai fidèle. Et porterai sincère allégeance. À sa majesté. La reine Elisabeth II. La reine Elisabeth II. Reine du Canada. Reine du Canada. À ses héritiers et successeurs. À ses héritiers et successeurs. Que j'observerai. Fidèlement. Fidèlement. Les lois du Canada. Les lois du Canada. Et que. Je remplirai loyalement. Mes obligations de citoyen canadien. Mes obligations de citoyen canadien. I swear that. I swear that. I will be faithful. I will be faithful. And bear true allegiance. And bear true allegiance. To Her Majesty. To Her Majesty. Queen Elizabeth II. Queen Elizabeth II. Queen of Canada. Queen of Canada. Her heirs and successors. Her heirs and successors. And that. That. I will faithfully observe. I will faithfully observe. The laws of Canada. The laws of Canada. And fulfill my duty. And fulfill my duty. As a Canadian citizen. As a Canadian citizen. If you have been passed down, congratulations. This is my non-citizen Canadian. You are Canadian citizen. Veuillez vous asseoir, please be seated.